savez, capitaine, qu'il est bien spécifié dans le testament qu'en acceptant l'héritage, vous vous engagez à honorer les contrats qui étaient en cours lors du décès du commandant Paparani. Nous savons. Maître Zornu nous l'a dit. Dans ces conditions... Milou. Quand je pense que ce cher professeur Tournesol est enfermé dans son laboratoire. Enfin, il a promis de nous rejoindre à Athènes, la première escale de la Toison d'Or. Et de là, nous rentrerons tous ensemble, au gré des vents et de la fantaisie du capitaine. Et mon bateau? Le voilà, capitaine. Voilà la Toison d'Or. Comment? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que ce misérable petit tas de ferraille... La Toison d'Or, cargo de 130 tonneaux, battant pavillon turc, construit en 1913, inscrit au registre maritime d'Istanbul, sous le numéro 6520. Alors c'est bien décidé. J'écris au professeur Tournesol que nous rentrons à Moulinsart. Hadok Effendi! Hadok Effendi! Capitaine, on vous appelle! Hadok Effendi! Vous dormez, capitaine? Vous disiez? On vous appelle. Hadok Effendi! Qu'est-ce qu'il me veut, ce bâchibouzouk? Hadok Effendi! Sizi telefondan istiyorlar. Çok mühim mi? Çok mühim. Telefon, telefon efendi. Çok mühimmiş, çok mühimmiş. İşte telefon, işte. Alo. Oui, c'est moi. Comment? Mais, c'est une plaisanterie. Et, 1000 millions de sabords. Mais enfin, monsieur. Et, oh, oh. Tonnerre de Brest. C'était une erreur? Non, pas une erreur. Un ami qui nous veut du bien, il me conseille de vendre au plus vite la Toison d'Or. Pour quelle raison? Il paraît que si nous ne vendons pas ce bateau, il pourrait nous arriver de graves ennuis. Mais c'est une menace! Une menace! Je le vendrai si je veux ce bateau! Il est à moi, non? Le Zoulou qui a inventé cette pipe à réaction. Permettez. Hey. C'est sans doute la première fois que monsieur fume le narguilé. Oui, la première et la dernière. Ce monsieur vient d'arriver sans doute à Istanbul. Ce matin. Si vous le permettiez, je serais très honoré de vous servir de guide et de vous faire redécouvrir les trésors cachés de cette grande cité. Qu'en pensez-vous, capitaine? Bah, pour une fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous parle d'autre chose que de la Toison d'Or. Nous sommes d'accord, monsieur. Alors? Milou!
Je suis navré, vraiment navré. C'est bien la première fois qu'une barrique me fait peur. Un dernier effort, capitaine. Allons. Le couronnement de cette journée. Du haut de cette tour, la plus belle vue sur Istanbul. Venez, monsieur, venez. Mais nous sommes enfermés. Enfermés? Monsieur Malik! Monsieur Malik! Essayons par là! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça alors? Vous avez une allumette? Là, dans ma poche. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Une potiche. La vôtre. Barrer la route. Oui, oui. On va trouver un moyen pour s'échapper de là. Allez, canonnier, à vos pièces. Feu. À bâbord. Je vais vous expliquer, c'est un malentendu. Vous nous avez attirés dans ce guet-apens. Il faut nous en sortir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous allez leur dire que la police arrive. Police! Il y a des questions d'un tabou question! C'est moi qui sont partis. Vous voyez bien que je ne suis pas un méchant, Tom. Parle! Oui, c'est mon métier de promener les étrangers. On m'a donné 10 livres pour vous faire visiter la ville. Qui vous a donné ces 10 livres? Un homme dans un café. Bien entendu, vous ne savez pas son tout nom. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a donné ce papier, là, dans ma poche. Vous voyez, c'est l'itinéraire de notre promenade. Laissez-le courir, capitaine. Nous n'en tirons rien de plus. Thank you.
vous fait, tas d'emplâtre? Qu'est-ce qui me fiche un équipage pareil? Ouvre le phénomène de tonnerre de Brest! Tirez Stroy! Tirez-moi Stroy! Larguez les amarres, canons vous échouez pour inutiliser votre capitaine! A quina telefonda Hazard? Solo mi disse mio se calazzo di Jesu. Proiecti che tutto a Zondor.